Côte d'Ivoire, le PDCI est notre fétiche, ne le quittez jamais, vice-président PDCI. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Deux importantes réunions ont eu lieu dans les sous-préfectures de Pakouabo et de Ndoufoukankro, dans le département de Boisflay. L'objectif de ces rencontres était de présenter des excuses officielles aux populations pour les erreurs commises par le passé. De plus, lors de ces réunions, le candidat du PDCIRDA pour l'élection régionale a été officiellement désigné et un message de remobilisation a été transmis aux populations Iyaou. Deux grandes rencontres dans les sous-préfectures de Pakouabo et de Ndoufoukankro, dans le département de Boisflay. Objectif, présenter des excuses aux populations pour tous les impairs commis dans le passé et surtout confier officiellement le candidat du PDCIRDA à l'élection régionale aux populations Iyaou et leur passer le message de remobilisation. C'est au vice-président du PDCIRDA, doyen des cadres de la région de la Maraoué, Philippe Kopli-Boni, que la tâche est revenue de confier Zambl et Zéphirin à la grande communauté Iyaou de la Maraoué. À Pakouabo le vendredi 7 juillet et à Ndoufoukankro le dimanche 9 juillet 2023, en présence des têtes couronnées et des populations, le vice-président a demandé aux populations de ne jamais trahir le PDCIRDA. Le PDCI est le parti de nos parents, un parti dont nous avons hérité. Nous ne pouvons pas trahir la mémoire de nos parents qui ont souffert en tournant le dos pour le PDCI. Le PDCI est notre fétiche et nous ne pouvons pas le quitter quelle que soit la raison. On viendra vous donner de l'argent, prenez-le, car c'est votre argent, mais ne tournez jamais le dos au PDCIRDA pour cela. Il y a des gens qui viendront vous dire qu'ils sont les indépendants, ne les prenez pas au sérieux. Car, ils sont les envoyés de nos adversaires. Votez le candidat choisi par le président Bédié, a dit Kopli-Boni aux populations. Aussi, a-t-il invité les populations à renouveler leur confiance au candidat Zambl et Zéphirin, le 2 septembre 2023, lors des élections régionales. Le candidat Zambl et Zéphirin a pris l'engagement de travailler pour la victoire du PDCIRDA dans la Maraoué.